Atterrissage d'un vol bien particulier ce mercredi à Cotonou. À l'intérieur, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, le ministre de la Culture, Jean-Michel Abindola, mais aussi, enfin, de nombreuses œuvres d'art arrachées au continent par les forces françaises, il y a plus de 130 ans. La joie et l'émotion sont immenses à Cotonou. C'est notre âme, avait ainsi déclaré le président Talon un jour plus tôt à Paris, où il s'était rendu pour récupérer les œuvres. Le retour des pièces provenant des palais royaux d'Abomey, qui comprennent également trois statues totémiques, intervient lorsque les appels se multiplient en Afrique pour que les pays européens restituent le butin colonial qui garnit les étagères de leurs musées.